Et salut tout le monde, comment ça va? Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez surtout. Parce que depuis tout à l'heure, je galère à régler mes trucs là. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à tous et toutes et tous et tout le monde. Ah, vous m'entendez. Bon, c'est cool. Écoutez, je sais pas ce qui se passe. Mon truc, il est bizarre. D'habitude, j'ai aucun souci avec StreamYard, mais évidemment, en ce moment, je dois m'en servir pas mal. Et mes réglages de micro et de casque ne restent pas enregistrés, donc je vais tout refaire à chaque fois. Comment ça va, les gens? Comment allez-vous? Comment a été cette semaine? Pour ma part, elle était fatigante et j'étais un peu malade hier. Aujourd'hui, ça va mieux. Et voilà, donc j'espère que on va pouvoir bien se reposer ce week-end. Alors, je vais regarder un peu qui est là. Alors, quand je tourne la tête, c'est pas que je vous boude, mais j'ai deux écrans maintenant car c'est le luxe. C'est le Twitch de luxe. Donc, coucou, Boom, Donkey, Drapsnat, Fumble Academy. Ah, coucou, comment ça va? C'est très cool de venir nous voir souvent. Il y a Booba qui est avec nous, bien sûr. Il y a Locus, il y a Mark Zink, il y a Zoro. Salut à toi, Zoro. J'espère que tu vas bien. Il y a Rez, Boom, Locus Solus. Et je pense que Lazare Baruch va pas tarder aussi. Ah, tu déménages ton père avec une lombalgie. Quel enfer. Oh, mais je vois que la semaine a été passionnante de tous côtés, de tout sens pour tout le monde. Ah, Lazare Baruch est là. Salut Fumble Academy. Bah désolé Booba, j'espère que ça va bien se rétablir. Si tu portes des charges, bah peut-être, mais je sais que normalement on doit pas trop mettre, tu vois, des corsets lombaires parce que ça enlève les muscles pour la suite. Mais sur un événement un peu particulier comme ça, après, si c'est juste pour aider une journée, ça peut être pas mal. Et puis après, bah des fois, faut prendre des mieux relaxants. Mais bon, pas top. Ah ouais, force à toi. Et déjà, les déménagements, on déteste. Enfin, moi, je ne sais pas ce que je déteste le plus dans un déménagement. Le jour du déménagement, les cartons avant, les cartons après. En fait, je déteste les déménagements. J'ai dû en faire 20 dans ma vie. J'arrêtais pas de déménager quand j'étais étudiante. Et même un peu après, mais j'ai eu pas mal de déménagements. J'ai horreur de ça. Ouais. Eh ben, écoutez, en tout cas, pour ma part, je suis crevée, mais ça va mieux aujourd'hui, donc on va espérer que mon cerveau tienne pour la soirée. T'es bien devant le PC. Bon, bah écoute, c'est le principal. On va se mettre une mini musique chill, pas relou. Hop. Alors voilà, donc pas relou et pas forte. Hey, salut, Buck Rogers! La woke qui fait des vidéos avec un vieux. Mais exactement, c'est moi. Vous m'avez démasqué. Je sais pas qui c'est, Buck Rogers. Je sais pas qui c'est, mais c'est marrant. J'aime bien Buck Rogers. En plus, c'est un très bon personnage. Deux écrans, la musique. Mais oui, c'est l'opulence, Boom. Écoute, il me manque une chaise dans les achats de la chaîne qui a depuis 2 ans, quasiment 2 ans. Bon, en fait, j'ai pas réussi à avoir assez de sous avec le Tipeee pour acheter un deuxième écran. Le deuxième écran, c'est un vieil écran que Cédric a et il était dans un placard et bah il est pas ouf, il est assez petit. Et en fait, lui, il en a un nouveau puisqu'il a son écran de graphiste et je l'ai récupéré. Donc voilà, donc ça a réglé un de mes soucis. Mais mon deuxième souci, c'est cette chaise horrible là qui est derrière moi, qui est pas très confort. Elle a l'air, hein. Elle est grosse, elle est noire, elle a l'air d'être un fauteuil de bureau assez cool. En vrai, elle est assez inadaptée à ce que je fais. L'assise est pas dingue. Et puis comme je suis très petite, enfin très petite, en tout cas, je n'ai pas la taille standard des gens qui s'assoient dans les chaises, a priori. Elle est pas réglable et en fait elle me va pas. Il faudrait que je m'achète une chaise chère mais un peu réglable au niveau de l'assise, des accoudoirs, de la tête, etc. Voilà, donc c'est cher mais ça fera partie des trucs qu'on fera à un moment.
Mais faut qu'on s'occupe d'abord de bien gérer cette histoire d'Actual Play IRL, si vous avez suivi. Alors les amis, ce soir on n'est pas très nombreux pour notre soirée jam. Du coup, on a eu 4 participations. Sachant que je vous garde le suspense, mais dans ces participations, il y a un groupe, donc des gens qui se sont mis à plusieurs. Et on a quelqu'un qui n'est pas là pour parler de son projet, car à la dernière minute, elle a eu un empêchement. Donc ça veut dire qu'on aura deux personnes, enfin deux moments pour découvrir des choses où des gens vont venir nous parler. Et le troisième, c'est moi qui vais vous présenter quelque chose. Voilà, du fait des groupes et d'une absence. Donc ça va être une soirée peut-être un peu plus courte que d'habitude. Mais bon, vu que je suis crevée, en vrai. Bon, bah écoutez, on va en profiter, on va finir pas trop tard aujourd'hui. Et puis, bah, comme ça, j'irai me coucher un peu plus tôt. Ou lire, ou faire un truc très calme. Voilà. Donc, oui, il y a des participations absolument qui sont faites par des gangs. Des gangers. Ça devient du crime organisé. J'ai hâte qu'on regarde un peu tout ça. Est-ce que la musique n'est pas trop forte de votre côté? Je me rends jamais bien compte de ça. De mon côté, c'est assez fort, mais voilà, je sais jamais trop comment vous l'entendez, comment vous l'entendez pas. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi. Ça m'aide pour même quand on fait des actual plays, après savoir comment régler la musique. Une tisane et au lit, tout le monde. Bah écoutez, un vendredi, ouais, des fois je me dis c'est pas le meilleur jour. Pour faire une activité comme ça, parce qu'on est tous rincés, mais d'un autre côté, on a peu le temps la semaine, donc au moins là, le lendemain, on sait qu'on peut dormir un peu. T'as failli faire une contribution troll juste pour le principe et t'as renoncé. Ah, tu voulais auto-participer à ton auto-financement de ton auto-voyage d'Actual Play, mais non, bah, enfin. D'ailleurs, il faut qu'on réserve les trains dans pas trop longtemps, avant qu'ils soient trop chers. Et ben les amis, on va y aller. On va se lancer dans la petite soirée tranquillement. Je vais changer ce truc parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tiens, on va mettre ça. Moi, j'aime bien les petits trucs un peu punchy en musique, comme vous savez. Et je vais baisser un peu pour que ce soit pas trop fort. Alors, on va se lancer. Donc, on va commencer, puisque vous l'attendez tous, par l'élection du thème de la prochaine jam. Pour ceux qui nous rejoignent, si vous ne me connaissez pas et ne connaissez pas le principe de la chaîne et que vous voyez cette rediffusion, nous avons chaque mois un tirage au sort pour un thème sur lequel on crée, et ça peut être n'importe quel type de création, poésie, musique, cuisine. Scénar pour des jeux, dessin, illustration, montage photographique, 3D, bref, tout ce que vous voulez, y compris même de la menuiserie, on a déjà eu aussi. Voilà. Et donc, on tire au sort chaque mois un thème, on a un mois pour le travailler, puis on se retrouve pour découvrir ensemble le résultat. Et dans la même soirée aussi, on a toujours un petit cadeau, un petit giveaway que je fais à la communauté pour la remercier de sa fidélité, puis de venir voir les lives, puis d'être sympa. Et tout ça. Donc, on va, avant de révéler les jolies créations de ce mois, qui étaient sur le thème du jeu de rôle Les Ombres d'Estérène, on va déjà faire ce que les gens attendent, comme des dingues, comme des foufous. On va élire le thème de la prochaine fois. Voilà. Et donc, si vous nous rejoignez, bien ça, c'est la roulette. Autrement appelée la roue-roue. Et la roue-roue, on la fait tourner pour savoir. Le peuple réclame le prochain thème. Alors, normalement, j'ai retiré Esteren, donc il est plus. Et tiens, est-ce que je peux. Waouh, c'est beau. Et donc, normalement. Normalement, il y est plus. Ouais, non, c'est bon, je l'ai bien retiré. Donc, on a plein de trucs, hein, vous voyez, c'est énorme comme liste. Et je vous resignale que la dernière fois, on avait ajouté les déchiens. Et je vais pas vous mentir, j'avoue que si le hasard pouvait
choisir les déchets, je serais assez contente. Salut Dark Pampa, Pampinou, fais une hola pour Dark Pampa qui est un membre de la première heure, qui est là parmi nous depuis le début, mais genre, je pense que c'est un des membres les plus anciens avec Rez. Donc gros, gros, gros bisous à toi Dark Pampa. D'ailleurs, vous voyez, il est first dans les petits tags et il est en abo depuis 31 mois. Franchement, Dark Pampa, mais tu me gênes presque, je ne mérite pas tout ça. Quand tu viens me voir, c'est vraiment un plaisir. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de repapoter un peu à Octogone. C'est également d'ailleurs Dark Pampa, quelqu'un qui vient nous voir à Octogone. Donc voilà, c'est très très cool. Et puis Res Violine a été également récompensé par le hasard de sa fidélité, puisque bah, comme vous savez, c'est lui qui a gagné le giveaway la dernière fois. J'étais trop contente. Ah mais je sais Dark Pampa, mais tu ne le retires pas, et ce qui est déjà extraordinaire. Donc voilà. Ah salut! Merci Akaye, merci Olivier, c'est gentil. Écoute, on va voir ce qui va être tiré au sort. Un jour, ça pourrait être l'Empire des Cerisiers, parce qu'on l'a dans la liste des jams sur thème de création. Donc, ça se trouve, un jour, tu vas nous voir faire honneur à ta création. Enfin, j'espère. J'espère qu'on va pas se ridiculiser. Mais ça pourrait arriver. Alors, donc moi, j'espère que Boom, ça, c'est un peu une sorte de prescience que tu as et que tu as deviné le thème de la prochaine fois. Les déchiens. Rencontre Warhammer 40 000. Je dis oui. Allez, je sais que vous voulez savoir. Alors c'est parti, c'est la roue des thèmes, c'est le suspense. Et on tourne. Et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Allez, 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 allez. Que va-t-il se passer? Sur quoi va-t-on s'arrêter? Oh, ok. Alors là, les gars. Ah ouais, c'est Dune. C'est fat. C'est très très fat. Ah ouais, Dune, c'est génial. Attends, tu rigoles. Mais Dune, pas le JDR, hein, vous avez noté. Dune. Dune. Alors moi, je sais déjà ce que je vais faire. Voilà. Instant. Je vais me raser les sourcils. Et je vais être une extrême Bene Gesserit et je vais faire un costume. Voilà. C'est tout. Et je vais distribuer la mort. Je pense que je vais faire ça. Non, sans déconner, c'est trop bien. J'adore. Je suis extrêmement fan de tout cet univers. Et voilà. Donc c'est trop bien. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire grand-chose. Vu le mois qui se profile. Vu les trucs qu'on a. Mais ouais, trop bien. Alors, je vais mettre un petit truc plus tranquille. Tout, tout, tout. Allez. Alors, est-ce que ça vous plaît, du coup, comme thème d'une? Dites-moi un peu en com, là, ce que vous en pensez. Alors, il y a Bérec qui propose un crossover d'une Saint-Valentin. Je dis pourquoi pas. Ça va être une Saint-Valentin dangereuse, quoi. Mais oui, vous pouvez absolument faire des crossovers, bien sûr. Apparemment, ça vous plaît. C'est cool. Ah là là. Trop bien. Bah, en fait, oh là là, mais oui. Ah oui, Locus Solus. Mais franchement, ah. Ben, on a Lazare Barrow qui va peut-être bien nous faire un vaisseau de la guilde, bien sûr. Ah ben là, on va se perdre en lecture, c'est clair, il y a de quoi faire. Alors moi, ah ouais, j'ai plusieurs trucs qui me bottent pas mal sur ce thème. C'est un thème que j'aime beaucoup et ok. Bon, je vais réfléchir, on va voir. On va voir. Bah, j'espère avoir le temps, moi aussi, surtout ça, parce que le mois de février, je vous mens pas, je pense que je vais devoir faire un petit aller-retour familial.
Et puis on a notre réunion à la place du Fige. Alors pour ceux qui suivent pas, nous on fait un contre-Fige parce qu'on n'avait pas hyper envie d'aller au Fige. Ça se passe à Lyon. Et donc c'est aussi dans le mois de février. On va faire ça. Moi je vais bouger voir un peu de famille. Bon voilà, on va voir. Mais peut-être que je ferai un tout petit truc minuscule et d'essayer de recentrer le but des jams d'ailleurs qui était de participer. À sa mesure, même si on faisait un bonhomme bâton, rappelez-vous. On avait dit ça, mais bon, tout le monde est ouf et tout le monde fait des gros trucs, mais c'est vrai que voilà, en fait, on peut aussi faire des toutes petites choses et on devrait pas s'en vouloir de faire des toutes petites choses. Eh ben, bon fige à toi, Olivia. Alors, vraiment, c'est très cool que tu y sois. Après, je sais que toi, tu dois pas être trop trop loin. Ça doit jouer. Nous, on est venu l'année dernière et on a trouvé le rapport voyage, intendance, logistique, bénéfice, coût un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'on a décidé de pas forcément y aller cette année. Et à la place, on réunit les gens du DCC, du Dirty King Crew, qui étaient dispo. Et on fait un gros truc spécial commu. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça demande de la logistique aux gens aussi, du coup. Mais c'est plus posé, c'est plus calme. Il n'y aura pas ce côté gros, gros, gros salon, énorme, fat, avec des milliers de personnes et tout. Ça a vraiment un petit comité, donc c'est cool. Voilà. Mais ouais, être à domicile, c'est trop bien. Bah, nous, on est à domicile pour Octogone et ça change carrément tout, hein. C'est clair. C'est confort. Enfin. On dort pas beaucoup, mais on est à côté, quoi. Donc c'est bien. Alors après, moi je vais vous parler du petit cadeau. Donc il y a un giveaway chaque mois, comme vous savez. Et on va faire un tirage au sort pour savoir qui c'est qui va le gagner. Et j'ai décidé de vous offrir Antise, les ombres d'Estérène. Antise, du coup, qui est également chez Agathe Édition. Et ceci n'est pas un jeu de rôle. Salut Olivier, belle soirée à toi. Ciao. Et ceci n'est donc pas un jeu de rôle, c'est un recueil de nouvelles sous la direction de Néliane et Joël Iris Deschamps. Donc c'est très mimi, vous allez avoir là-dedans de jolies histoires qui se passent entre Icazel et qui vont vraiment beaucoup. Inspirez vos parties ou éventuellement vous donner des idées de scénar. Et puis même si ce n'est pas le cas, vont vous plonger dans l'ambiance de Tricazel et dans l'ambiance un peu douce amère et de voyage et des grands thèmes en fait des ombres d'Estérène. Voilà, c'est un tout petit bouquin. Il doit faire une centaine de pages, peut-être 120, je crois, un truc comme ça. Mais c'est très chouchou. Je n'ai pas tout lu, je vais être honnête avec vous. Je crois que j'ai lu deux ou trois trucs dedans. Je crois que j'ai lu deux nouvelles. Et je n'ai pas fini. Deux, trois. Ouais, c'est ça, j'en ai lu deux. Et les autres, je ne les connais pas. Donc voilà. Mais j'avais trouvé ça relativement bien écrit et assez doux. Et comme c'était le thème de ce mois-ci, je me suis dit qu'on allait faire un cadeau qui était en lien. Voilà. Comme vous avez vu, j'ai toute la collection qui existe des Ombres d'Estérène, en tout cas qui est sortie en français. Parce que c'est pas. Tout n'est pas sorti en français au final. J'ai vraiment un gros pack que j'avais acheté d'occasion à un camarade rôliste que vous connaissez peut-être, Elethorn, qui a de belles collections. Et salut Daistory, coucou, j'espère que tu vas bien Manitou. On est en petite soirée de jam. On a comme thème de reveal ce soir à regarder les créations de Estérène. Donc le cadeau en giveaway, c'est les nouvelles. Des ombres d'Estérène qui s'appelle Antise. Et puis on a élu le nouveau thème du mois qui arrive et ce sera Dune. Donc c'est trop trop bien. Donc voilà, donc ça, moi je vous offre le petit cadeau parce que dans toute cette énorme collection que j'ai même carrément le jeu de société. Enfin bon, bref, j'ai déliré. Bon, j'ai déliré sur Estérène, mais comme je vous disais la dernière fois, j'ai pas mal passé de temps il y a quelques années, hein, c'est pas récent. Puis je l'avais pas, j'avais pas toute la collection. Et vous savez comment sont les rôlistes, on aime bien un truc, voilà, on trouve ça chouette, et puis on voit passer un coffret où il y a tout dedans, et c'est d'occasion, et on est un peu, bon, un peu complétiste.
Et j'ai été complétiste, j'ai donc tout. Et voilà. Mais je vous sors juste le petit recueil de nouvelles parce que c'est pas du jeu de rôle et que ça vient pas manger trop ma collection. Eh ben, c'est vachement bien. Je conseille Manitou. C'est une ambiance douce amère, c'est très poétique. Ça parle d'amitié, de voyage, de loyauté, de difficultés à vivre lorsque les éléments sont rudes, que la géographie et les climats ne sont pas commodes. Il y a beaucoup de politique, une religion de l'unique, une religion plutôt païenne, un peuple, lui, qui est plus proche de la science, avec beaucoup de choses qui s'opposent dans les visions, les cultures et tout. Enfin, c'est un jeu très joli, très bien illustré, très bien maquetté, qui, par contre, gros bémol, n'est pas terminée. La gamme n'a jamais été complétée en français, mais elle a été complétée en anglais. Voilà. Donc, il y a eu un choix de la part de l'éditeur de faire le marché qui rapportait plus, et c'était le marché anglais. Donc, on est privé de la fin de certains ouvrages qui auraient dû être en français. Voilà. Ah, d'accord, t'as tous les bouquins. Bon, bah, je t'apprends rien alors. Autant pour moi. Alors, on va voir qui gagne. C'est parti. C'est parti, alors hop. Donc ça, on enlève. D'une, c'est bon. On sait que c'est notre truc pour la prochaine fois. Et puis, on va faire le tirage au sort de voir qui est gagné, qui a gagné. Alors, donc c'est parti. Comme d'habitude, c'est les gens les plus actif de la commune dans cette petite roue. Voilà, bon, si vous voulez faire partie de la roue et gagner peut-être des trucs, eh ben, il faut être actif dans la commune, il faut vous manifester, il faut potentiellement venir nous voir. Du coup, ben, comme ça, vous aurez toutes les infos nécessaires pour faire le coucou et éventuellement nous rejoindre. Alors, le Discord est à présent privé, hein, donc il y a eu trop de chelou. Vous savez comment c'est, Internet, ça me saoule. Donc, il y a eu trop de chelou, il y a eu hack en plus. À un moment donné, il y a un type qui est venu hacker des machins et tout. Donc voilà, le Discord est sur invite, mais si vous avez envie de nous rejoindre, il suffit de me le demander dans n'importe quel réseau social et puis vous pouvez nous rejoindre. Donc voilà, c'est pas compliqué. Je vous mets le lien dans le chat. C'est parti, on fait tourner la roue et on regarde à qui on offre ce joli cadeau. Mais c'est Dips! Ah, trop bien! Mais Dips, mais bravo! Mais ça aussi, c'est hyper mérité. C'est trop cool. C'est trop bien. Ah, ça fait plaisir que la roue récompense les gens actifs comme ça. Ça me fait trop plaisir. Et ben voilà. Et ben Dips, tu sais quoi? Si tu m'y autorises. Parce que je crois pas me tromper, mais je crois que tu viens à la grosse réunion de la commu du DCC. Du coup, ben, en fait, je vais me passer de te faire un envoi postal. Hein. Voilà. On va se voir en février. Donc, tu auras ton petit paquet avec tous les goodies DCC, la carte postale, le pins, le bateau USS Eldridge, le petit bouquin et tout, et tout. Eh ben, tu l'auras, voilà. Tu l'auras en main propre. Tu auras un cadeau, tu auras un paquet. Voilà. Donc, Dips, tu as gagné. Hantise, le recueil de nouvelles des ombres des sirènes. C'est un tout petit livre. Il ne te prendra pas beaucoup de temps à être lu. Donc, voilà. Je le dis parce que je sais qu'en fait, des fois, vous n'êtes pas hyper content d'avoir des cadeaux. Parce qu'en fait, vous avez déjà tous trop de livres à lire. Vous êtes tous rôlistes. Donc, vous avez déjà des piles à lire énormes. Ah, c'est cool. Je suis très contente. Dip, c'est quelqu'un de très gentil. Il est même déjà venu nous voir un coup sur Lyon. On avait dîné ensemble, on avait bu une bière et mangé une pizza. Et j'allais pas bien. C'était un jour où j'étais très très mal et très fatiguée d'endométriose et de tout qui allait pas. Donc il est tombé sur un très mauvais jour et il a été très doux et très gentil. Donc voilà, c'est très cool. Que ce soit les bonnes gens comme ça, qui soient autour de nous, qui gagnent des petits trucs tout voilà, je sais, il n'y a pas beaucoup de valeur dans ce qu'on vous donne, mais je me dis que c'est un petit geste. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de petits gestes, je partage avec vous un truc très mignon.
On a un voisin dans la résidence. Alors, mais je sais que des fois, il vient nous voir en live, mais comme je connais plus bien son pseudo, je sais plus trop bien. Je crois qu'il n'est pas là ce soir. Ah, il y a Siafil, t'es là, t'es dans le chat. Bah, coucou. Je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas bien. Et en fait, notre voisin, donc il est trop, trop sympa. Et c'est un gros gamer aussi. Il fait plein de jeux de société. Un peu de jeux de rôle, enfin, il a une belle collection de jeux de rôle, il en lit beaucoup, même s'il les joue peu, mais il a le même problème que nous tous, pas beaucoup de temps et pas beaucoup de personnes dispo, mais il a une belle collègue aussi, et très sympa. On a déjà fait l'apéro, voilà, et puis là je suis allée le voir il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait il vous a offert quelque chose. Donc je vous dis pas quoi, parce que vous verrez, ça sera sûrement un des prochains cadeaux du giveaway. Mais il a une belle collection de JDR, il a fait du tri et il voit l'émission et il a dit, ah bah tiens, j'ai encore un truc sous blister tout neuf et tout, bah pour tes camarades de ta communauté, ben, tu pourras leur offrir, ça fera plaisir. Donc c'est carrément trop gentil, quoi. Donc voilà. Donc je vais aussi vous dire ça. Je pense que ce sera peut-être la prochaine fois ou la fois d'après. Mais en plus, c'est un joli petit jeu que j'aime bien. Voilà, mais vous aurez la surprise. Allez, on a donc notre prochain thème. Donc ce mois, on va travailler sur Dune et on a notre gagnant qui est donc Dips qui va avoir le recueil de nouvelles Hantise des ombres d'Esterhazy. Et suspense, maintenant, il va falloir qu'on découvre ensemble les créations de la jam de cette session. Je n'ai donc que deux intervenants à faire venir sur la chaîne parce que bah, y a un groupe et il y a quelqu'un qui est tout seul, ce qui fait trois personnes. Et la quatrième, je vais présenter moi-même son truc. Ah, salut Alfonso de Portago. Eh bien, écoute, c'est très gentil à toi, même si tu ne fais que passer. On te fait des bisous. Merci de prendre ce temps. Merci de passer nous voir. Je vous propose peut-être, pour garder un peu de suspense, de commencer par vous présenter la création de la personne qui n'a pas pu venir présenter son truc. Et puis ensuite, Bérec, je te le dis tout de suite. Ensuite, Bérec, tu passeras après. Puis comme ça, je vous garde la surprise pour la fin, pour le goût, les gens qui se sont mis à deux pour faire un truc. Voilà, comme ça, vous avez un peu de suspense, mais en même temps, ça ne dure pas trop longtemps. Voilà, indiquez-moi juste dans le chat si c'est un ordre de passage qui vous convient. Donc, à savoir que là, moi, je vais vous présenter la création de JP, puisque c'est JP qui ne pourra pas être là. Ensuite, Bérec, bah, tu passeras nous voir. Et puis en troisième, on aura le groupe qui a fait un petit truc. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Et puis d'ici 22h15, on va aller se coucher, ce qui sera extraordinaire. Peut-être que j'irai peindre une figue un peu avant. J'avoue, là, je me remets bien à peindre, les gars, et ça me fait un bien fou. J'ai besoin de trucs manuels, parce que mon cerveau est en ébullition. Donc voilà. Allez, on va y aller. Donc, encore une fois, je dois vous dire, il a vraiment fait des choses magnifiques, JP, et bah, il n'a pas lésiné sur la qualité du boulot, hein. Salut Alexia, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu. Toi aussi, tu es en pleine peinture. Bon, bah écoute, trop cool. Tu peins quoi? Qu'est-ce que c'est ton thème de prédilection? Les figues, le jeu, dis-nous tout, on veut tout savoir. Moi, je suis sur Warhammer 40 000, mais pas des figurines officielles. Des figurines que des gens font parce qu'ils les kiffent. Ils les impriment en 3D et ils les mettent sur Etsy. Donc là, j'ai terminé ma tech priest. Elle est trop belle. C'est une tech priest Dominus. Elle est magnifique. Il me reste juste le socle à faire, mais elle est incroyable. Et j'ai toute une escouade de Skitari qui m'attendent. Et puis un décor également, un décor de cathédrale cassée avec des arches en ogive là et tout. C'est trop beau. Trop hâte de m'y mettre aussi. Et après, mon prochain projet, j'aimerais trouver des figurines du mythe de Cthulhu. En particulier, j'aimerais peindre une belle figurine du roi en jaune. Ça va être le truc que je vais chercher sur Etsy abondamment.
Bref, j'ai digressé, comme on dit. Alors, je vais vous présenter, du coup, on est parti, la création de GP pour les ombres d'Esterhazy ce mois-ci. Et il nous a fait un Elinor et Hamlet, un drame en trois actes. Alors, c'est un scénario. Il a fait un très beau travail. Je pense qu'il s'est vraiment plongé dans les thèmes d'Esterhazy, donc à savoir des trucs doux, amers, vraiment dramatiques. Et il s'est inspiré, comme vous l'avez compris, d'une pièce de théâtre hein, en trois actes. C'est comme une pièce parce que c'est inspiré de Roméo et Juliette, et donc il a voulu s'inspirer de Roméo et Juliette. Voilà, donc c'est un scénario qui est très librement inspiré de l'histoire. Roméo et Juliette, on en retrouve les marqueurs dans le monde d'Esterhazy. Donc, il y a le destin de deux amants qui risque d'être dramatique, mais il propose quand même une issue qui peut ne pas être tragique. En gros, c'est mal parti, mais voilà, JP tenait à ce que la personne ait le choix, enfin que les personnes aient le choix pour essayer de faire un truc qui finisse pas forcément mal, donc il laisse la porte ouverte. Alors toi, tu fais des orques, Alexis. Ok, bah excellent. Très très bon programme. Bon, je reviendrai après à tout ça parce que je veux pas trop couper la présentation de JP, mais c'est vraiment très cool. On est tous bien motivés par toutes ces petites choses qu'on a autour de nous. Alors donc, Elinor et Hamlet, qu'est-ce que ça va vous raconter? Donc, dans le royaume de Tolkaër, les Mactremen et les Macredan se battent depuis toujours. Vous avez compris, ça reprend l'idée donc des deux familles ennemies. Leur querelle remonte à si loin que personne ne sait plus vraiment quelle était la raison de cette détestation. Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance pour les gens, c'est ancré. Et la haine et la violence, ben, c'est la seule chose que les deux familles ont gardée l'une pour l'autre. Pourtant, Elinor et Hamlet s'aiment, même si elle est la fille de Macredan et que lui, c'est l'héritier, le fils héritier du clan Mactremen. Donc, ils vont s'aimer contre, voilà, envers et contre tout. Et ils vont préférer mourir que de renoncer à leur amour. Donc, lorsque la jeune Elinor est promise en mariage au noble Dunar, qui est un noble Ozak, le couple secret prend la suite. La fuite, je ne vais pas y arriver. Le couple secret prend la fuite. Voilà. Donc, en fait, ils vont être en fuite et nous, on a cinq personnages qui sont proposés, qui sont prêts à jouer, qui vont accompagner cette fuite. Cette fuite. J'allais dire cette suite, ça ne va pas du tout. Fuite, suite, ça ne marche pas aujourd'hui. Donc en effet, c'est vraiment très cool et la couverture elle claque déjà hyper. Coucou Beau Barbu. Ah mais attends, c'est mon voisin. C'est toi Beau Barbu? Est-ce que c'est toi mon voisin? Parce que du coup je disais aux camarades que t'avais offert un petit cadeau. Ah ben voilà, ben, faites-lui là-haut là, faites-lui des bisous, faites-lui le coucou. Donc voilà, il a fait un petit cadeau pour vous. J'ai pas dit ce que c'était, il y a le suspense, ils savent pas, mais ce soir ils ont gagné. Hantise, le recueil des ombres d'Esterhazy de nouvelles, donc ce sera sûrement une prochaine fois, mais voilà, j'en parlais tout à l'heure avant que tu arrives. Trop bien. Et donc on a pour revenir à Elinor et Hamlet, donc dans ce drame en trois actes, et ben nos personnages qui vont accompagner la fuite, voilà, de ce couple impossible que leur famille veut évidemment empêcher, et on veut marier Elinor à un noble Ozag et elle n'a pas du tout envie. Donc, comme d'habitude, il nous a fait un très gros taf, JP, puisque son scénar, il va se proposer en une vingtaine de pages. C'est assez dense. Il y a beaucoup d'aide pour le MJ. Comme d'habitude, il plante énormément son décor. Il a vraiment pris le temps de vous donner toutes les indications nécessaires à faire jouer. Et donc, vous allez retrouver vos trois actes qui vont vous permettre ben, de le jouer comme une pièce de théâtre, puisque c'est inspiré d'un Shakespeare, clairement. Donc, c'est très, très cool. Donc là, tout est extrêmement défini, détaillé, mais je ne veux pas vous spoiler. Puis surtout, je ne vais pas tout lire parce que bah, va lire 20 pages en direct. Mais voilà, donc chaque acte se termine par une sorte de cliffhanger. Alors ça, c'est ce que je trouve cool, c'est qu'il a une manière un peu de terminer les actes.
qui fait que je pense, après je ne l'ai pas fait jouer et je le découvre en même temps que vous, donc je n'ai pas un recul extraordinaire, mais j'ai un peu l'impression que si on voulait le faire jouer en plusieurs sessions courtes, on pourrait presque se reposer sur le fait qu'il y ait trois actes et que chaque acte pourrait être une session ou quelque chose d'approchant. Et ce serait vraiment chouette. Ah, salut Kévial, coucou, j'espère que tu vas bien. Dips a gagné le giveaway ce soir et il a remporté du coup le recueil de nouvelles hantises dans l'univers des ombres d'Estarène. Je vous le dis au fur et à mesure que vous arrivez, puisque voilà, ça c'est cool et je suis contente que ce soit lui. Donc voilà, donc je vous disais que oui, je pense qu'il est possible de vraiment le découper en petites sessions et de se reposer sur le découpage en actes, même quitte à prévenir votre table en lui disant, ben, il y a trois actes et on va pouvoir jouer. Les trois actes et si on veut faire des sessions courtes, on peut se reposer sur ce découpage. Et moi, je trouve ça plutôt chouette. Voilà. Et donc, évidemment, c'est plutôt cool. Et il y a des choix. Donc, vous n'êtes pas complètement drivé tout le temps. Donc, il propose à certains moments des choix aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que selon ce que feront les PJ, eh ben, il se passera pas toujours la même chose. Donc voilà. Ensuite, on a les personnages. Donc on peut interpréter qui? Ben, on peut interpréter les amoureux, du coup, Elinor et Hamlet. Et puis on peut, sort of, interpréter leur garde. Donc dans leur garde, vous allez trouver Godric, l'ami fidèle d'Hamlet, Rona, la confidente d'Elinor. Alors, mais c'est des PNJ, attends, ils sont pas là. Hop. Je ne les trouve pas. Ah voilà. Donc, et dans les PJ qui vous allez pouvoir interpréter, je vous dis des bêtises. Donc, une des Mortaines, Vaughan, Gourpet, un Varigal, Meagan, une combattante, et Gwendoline, une archère, et Galder, un lettré. Voilà. Donc ça, c'est les personnes qui vont accompagner justement bah, toute cette histoire, toute cette cohorte et tout ce voyage. Donc, excusez-moi, je vous ai parlé des PNJ au lieu des PJ. Et puis ensuite, bah, il nous a fait un petit quatrième de couverture, donc, qui vous permet de présenter le jeu très facilement si vous avez envie de le faire jouer. Voilà. Donc, encore une fois, bah, moi, je félicite hyper JP parce qu'il est au rendez-vous. Mais genre, à chaque épisode, je crois qu'il a fait toutes les jams depuis le début. Je sais pas comment il fait, c'est une machine. Et à chaque fois, il nous sort quand même des scénars. Il a fait un petit mini-jeu de running une fois aussi, mais enfin, quasiment à chaque fois, il nous fait quand même des scénars très conséquents qui sont assez touffus en termes de texte. Et il arrive à se faire ça sur un mois. Donc, je peux vous dire, moi, pour avoir à écrire des scénars régulièrement, avec la prétention, bon, de les éditer, c'est sûr, peut-être qu'on se met un peu plus de pression ou que ça met un peu plus de temps de vérification, etc. Enfin bon, je suis quand même impressionnée par quelqu'un qui a un niveau de rendement à un scénar par mois. Et voilà, je lui adresse vraiment toutes mes félicitations parce qu'il va vite, il va très vite. Et voilà. Et regarde, tu as des félicitations, JP. Donc si tu passes par la rediff, eh ben, tu les verras. C'est très très cool. Tu as les bravos de Boom. Tu as les bravos de Locus Solus qui disait aussi tout à l'heure que tu avais fait un très beau choix de couverture et je rejoins. C'est très beau, c'est très très beau. Tu as les clap clap de Bérec également. Et tu as les miens. Voilà, c'est trop bien. Bravo JP, c'est très très cool. Alors je sais que c'est toujours ah regarde. Et il y a le copain, le voisin, le beau barbu qui te dit bah, très très bien aussi. Et on est tous, ouais, on est tous. Moi, je suis ébahie par la constance de JP sur les jams, ouais, carrément. Alors oui, alors Beau Barbu, le prochain sujet est tiré et il est incroyable. C'est la dinguerie puisque ce sera Dune. Waouh. Et quand on dit Dune, on ne veut pas forcément dire Dune le JDR. Il existe, hein, bien sûr, mais ça peut être vraiment n'importe quoi autour de Dune. Et ouais, c'est fat. On est tous trop chauds là, du coup. J'espère qu'on aura le temps, du coup, de faire un truc. C'est ça. C'est ça l'histoire. Mais ouais, on est trop chaud, c'est Dune. Ah bah voilà.
Bah tout, ouais, toute la saga, les jeux de plateau, le jeu de rôle, les films, si tu veux, les Lego. Les Lego! Oh, c'est l'occasion d'aller acheter un Lego et le monter juste pour ça, quoi. Enfin bref, c'est. Voilà, il y a moyen de se perdre sur ce thème. Donc, ouais, c'est trop cool. Et ça fait bien, bien plaisir. Eh bien, en tout cas, les amis, voilà, on a vu la créa de notre ami. Il y a des Lego d'une. Ah ouais, attends, on va faire. Attends. Attends. Oui, et on va faire une petite pause pour ça. Quand même. Je vais te montrer. Ils ont sorti l'orthoptère et les persos. Et il y a même le baron Harkonnen. Il est en lévitation. C'est grosse dinguerie. Je vais te montrer ça. Le petit set, il est juste à 165 euros. C'est tout va bien. Mais bon, on connaît Lego. Tiens. Paf, faites-vous du bien aux yeux. Voilà. Mais oui, du coup, il y a les Lego Dune. C'est incroyable. C'est ça crie fort dans le chat, du coup. Regarde. Regarde tout ce qu'il y a dans cette boîte. Achète. Donne l'argent. Donc, ouais, Orthoptère, du coup. Avec le blason des Atreides, bien évidemment. Tu as tous les persos, là, en soute, du coup. Et puis, tu as le baron Harkonnen en lévitation sur un petit socle. Donc, ça, c'est juste méga stylé. Voilà. Ornithoptère, je le prononce mal. J'ai orthoptère depuis tout à l'heure. Donc, excusez-moi. Ornithoptère. Et donc, tu as tout. Tu as tout ça. Genre, tu vois les petits pilotes à l'intérieur et tout. Ah, trop bien. Ah, incroyable. Et les ailes se replient. Est-ce qu'on peut juste. Voilà, regardez. Là, elles sont repliées. Et là, non. Mais non, mais ça, c'est juste fabuleux. On en veut absolument. Et il vous montre bien qu'il y a, toutes les petites pièces qui se rabattent, etc. Regardez comme c'est beau. Chaïol, regarde ça. Tu vas craquer, toi aussi. Oh, waouh. Incroyable. Donc oui, ah bah oui, elle est heureuse la personne. Elle a le jeu, nous ne l'avons pas. La personne a le jeu. Voilà, il ferait bien sur une bibliothèque chez vous. Eh oui, c'est ça le truc. Mais donc voilà, il y a absolument un Lego voilà. Et c'est assez massif du coup. Mais voilà, c'est cher, bien sûr. Ah! Je ne connaîtrais pas le Lego, car le Lego tue l'esprit. Le Lego est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai le Lego. La meuf qui a l'air d'être CSP+, parce que ça coûte trop cher pour les prolos, mais c'est ça. Mais j'avoue, ils ont un peu mis une personne qui a un intérieur. Et un look qui respire pas la simplicité. Mais bon, c'est une pub. Déjà, ils ont mis une meuf. J'ai envie de te dire, j'ai presque envie d'acheter le Lego juste pour ça, tu sais. C'est tellement rare. Donc c'est cool. Mais il est assez joli, ouais. Et en ce moment aussi, puisqu'on fait un aparté sur les Lego, j'ai pas été voir moi, mais Cédric, il est allé voir. Là, il y a le gros revival Jurassic Park premier du nom, puisque c'est ses 30 ans. Et alors là, ils ont sorti des boîtes, les gars, mais elles sont fameuses, hein. Il y a tout. Il y a tout. Il y a toutes les scènes cultes du premier, en fait, qui sortent en boîte vraiment précises, quoi. Vous pouvez refaire la scène du T-Rex Paddock où ils sortent la première fois. Vous pouvez faire la scène de la cuisine, je crois, avec les vélociraptors. Ou du nourrissage, je sais plus. Enfin bref, il y a un peu tout quoi. Il y a les jeeps et tout. Voilà. Donc je résiste fort parce que on n'a pas beaucoup de place dans l'appart. Je fais de la place moi plutôt ici, mais voilà. Coucou Mister Zombie. Ah, j'ai raté. Attends, t'es là. J'espère que tu vas bien. Comment a été ta semaine? Toi qui as des horaires fat. J'espère que tu vas bien. Parce que c'est chaud.
Il y a le bras coupé. Je crois que oui, je sais pas. Je ne me rappelle plus. Il faudrait que j'aille voir. La prochaine jam colle avec le mois de sortie de Dune 2. Oh là là, mais quelle excellente nouvelle. Bah écoute, à vos marques, prêt, par feu, partez. Je ne sais pas comment on dit ça. Ah, désolé, ben écoute, si t'es décalé, j'espère que ça ira. Si tu dois aller te coucher, t'inquiète. Tu peux. On te fera de gros bisous, tu regarderas la rediff au calme. Allez, on va accueillir la deuxième participation. Donc la deuxième participation, comme je le disais, c'est Bérec. Attendez, je regarde que j'ai bien tout ce qu'il m'a envoyé. Ouais, c'est bon. Et donc, du coup, Bérec, eh ben, si t'es dispo, tu peux venir nous parler de ta créa. Alors, je vous préviens, c'est encore une fois du gros job. Les gens dans cette commune, ils n'ont pas le temps. Je sais pas, on leur a dit, vous pouvez faire des bonhommes bâtons, vous prenez pas la tête, ce qui compte, c'est de faire un petit truc pour la jam et tout. Et non, ils font des gros trucs, on les arrête jamais. Alors, c'est quoi le concept de la jam? Bah écoute, je vais profiter tranquillement d'envoyer le lien à Bérec, puis de t'expliquer tout ça avant qu'il arrive, et puis comme ça, on sera très au calme pour la présentation du truc. Hop, donc Bérec, je t'envoie un lien, tu vas le recevoir en privé, comme toujours. Et on va en profiter pour expliquer à notre camarade Mister Zombie ce que c'est. Donc la jam, en gros, Mister Zombie, bah, on fait tous les mois un tirage au sort dans une roue où il y a des tas de thèmes. On tire le thème au sort et on a un mois pour créer dessus. Mais créer n'importe quoi. Ça peut être un scénario de jeu de rôle, une poésie, de la cuisine, de la menuiserie, une illustration, du graphisme, de la 3D, un mini-jeu. Une sculpture, enfin bref, vraiment ce que tu veux. Et on le découvre, en fait, on a un mois pour les faire, on le découvre à la fin du mois. À chaque fin de mois, eh ben, on élit le nouveau thème. Et en même temps, bah, quand on fait ça dans nos émissions, on donne un petit cadeau, il y a un giveaway chaque mois pour une personne de notre communauté. Voilà. On vient de terminer Esteren, les ombres d'Esteren, c'était le thème. Donc là, on découvre les créations autour du thème des ombres d'Esteren, et à la fin du mois ou au début du mois prochain, quand on va se réunir la prochaine fois, on découvrira les créations du mois en cours qui sont sur le thème de Dune. Voilà. Et Bérec est là, je le mets donc en direct pour qu'il puisse papoter. Le voici. Bonsoir. Salut Bérec, comment tu vas? Ben, je fais des insomnies en ce moment, c'est pour ça que j'ai voulu écrire un scénario. Ah là là, je crois qu'on est nombreux à être insomniaques. En plus, là aussi, c'est un trait assez commun aux créatifs et aux gens de notre petite communauté. Est-ce que tu vas quand même bien, même si tu as eu des insomnies, même si tu es fatigué? Est-ce que tu es content d'être en week-end aussi? Oui, et puis surtout, Bon. je suis content d'être là. Bon, bah c'est cool. On est très content que tu sois là. Et toi aussi, tu es le vétéran. Je crois que tu as fait toutes les jams aussi, quoi. Donc félicitations. Moi, je trouve ça ahurissant. Je crois même pas moi les avoir toutes faites. Je suis pas sûre. Je sais même plus. Mais bon, en tout cas bien ouais. Comme d'hab, un peu de suspense. Et si tu nous parlais un peu de ta création avant qu'on la montre, du coup? Alors au départ, je devais faire une illustration. Ensuite, je me suis dit, je vais faire une illustration et un scénario. Ensuite, j'ai fini l'illustration, j'en avais marre. Je me suis dit, je vais pas faire le scénario. Et je me suis réveillé il y a une semaine en me disant, bon, je vais quand même faire un scénario. Ah la vache, Résultat, bah. j'avais pas le temps, donc j'ai pas vraiment fini. Donc au milieu de mon PDF, il y a un gros panneau Work in Progress. Donc je pense que je le finirai peut-être ce week-end ou la semaine prochaine pour l'uploader fini. Ok, eh ben, nous, on sera de toute façon contents. Et puis, dès que ce sera fini, on le remettra sur le Google Drive. Donc, t'inquiète pas. Alors, j'en profite pour lui dire aux gens qui nous rejoignent et qui connaissent pas forcément. Toutes ces petites choses, si vous faites partie de notre communauté, vous pouvez les avoir absolument gratuitement. On les met sur un Google Drive. Il faut être dans notre commu, hein, il n'est pas accessible, il faut demander l'accès, hein, bien sûr. Et ensuite, bah ça, tous les petits mini-jeux, les scénars, les images, enfin tout ce qu'on a fait nous depuis quelques mois maintenant, vous pouvez tout récupérer et jouer ça le week-end avec vos potes. Alors évidemment, hein, c'est du work in progress, c'est de l'amateur, c'est du fait pour rigoler. Mais bon, on commence à avoir une belle petite collecte. Donc, n'hésitez pas. Je vous redonne, hein,
lien vers tous nos réseaux si jamais vous voulez nous rejoindre, sachant qu'il vous faut une invitation pour venir sur le Discord. Il est privé, car je suis relou. Donc voilà. Mais du coup, tu as donc fait une ILU et un scénar, même s'il est encore work in progress. Est-ce que tu veux qu'on commence... Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on montre en premier? L'ILU, je suppose, mais bon, je suis pas sûre. Ouais, l'illustration. Ouais. J'aurais dit okay. Ça. Eh bien, allons-y, et puis on va bien l'observer, puis après, tu pourras nous raconter un petit peu son histoire. Alors, moi, je l'ai vu tout à l'heure, je vous préviens, c'est très très joli. Voilà. Et je vais même nous mettre en plus grand écran. Attends, qu'est-ce qui prend le moins de place sur l'ILU? Allez, c'est ça. Hop. Donc, voici l'ILU. Je suis fière de l'avoir. J'ai passé beaucoup trop d'heures dessus. Elle est magnifique. La lumière est incroyable. C'est trop non, beau. J'ai une petite émotion quand même là, de me dire non, finalement, je suis fier de cette illustration parce que je fais pas forcément souvent des gros dessins, donc vous me motivez aussi à faire des trucs qui me dépassent un petit peu. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et oui. C'est il y a une ambiance de dingue, en fait, dans l'image, surtout, aussi. En fait, que ce soit l'illustration ou le scénario, moi aussi, je me suis inspiré d'une pièce de théâtre qui s'appelle Baladena. Et c'est justement une pièce de théâtre avec une ambiance médiévale, fantastique. Il y a des histoires de sorciers, de sorts qui sont jetés, de fantômes qui reviennent hanter les meurtriers, etc. Donc, je me suis inspiré de ça. D'abord, pour faire l'illustration, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Et en fait, en refaisant l'illustration, c'est vrai que je me suis un peu replongé dans l'histoire de cette pièce de théâtre. Et je me suis dit que j'avais envie de faire mon interprétation personnelle, parce que c'est un petit peu une histoire qui est très stéréotypée. Bon, ça a été écrit au 19e siècle quand même, ça date maintenant. Mais justement, c'est quelque chose qui m'a inspiré, qui avait en plus cette ambiance que je trouvais qui collait. Bon, c'est pas celtique du tout, c'est polonais. Mais ça collait un peu avec l'aspect un peu médiéval, un petit peu avec des forces de la nature, parce que c'est justement une histoire où il y a des sorcières, des sorciers, on va dire, l'être surnaturel qui est présent, c'est aussi une nymphe. Donc, c'est pas une ambiance non plus surnaturelle chrétien, on va dire. Et là, au niveau des personnages, est-ce que tu peux nous dire un peu qui est qui? Alors, c'est des fantômes, du coup, les oui. Trois ou... ouais. Les trois derrière, c'est les fantômes. Dans l'histoire originale, j'ai repris les mêmes relations de personnages, c'est juste que l'histoire est différente. Le personnage qui est donc la reine au premier plan, c'est la reine Baladena. Et c'est justement celle qui est hantée par les fantômes. Dans la pièce de théâtre, il y a énormément de choses qui se passent, on va faire la version courte. Suite à une dispute avec sa sœur, elle tue sa sœur. Qui est donc le personnage ah ouais. Qui est un peu en rouge. Oui. Ah ouais, ah, ça rigole pas les disputes familiales avec elle. Non, il y a une histoire de jalousie et de compétition parce que il y a un prince qui s'est pointé en disant je suis amoureux de vous deux, mais il faut que j'en choisisse qu'une seule. D'accord. Donc, c'est compliqué. Donc il fait un défi, il faut aller chercher des framboises dans les bois, celle qui en ramène le plus et sera la reine. Bon. C'est une façon particulière de choisir une épouse. Ouais, bah chacun fait... Oui, voilà. Écoute, bah en tout cas, du coup, c'est hyper joli parce que c'est hyper imagé. En fait, elle tient des framboises, mais on a l'impression que c'est une coupe de sang. C'est plutôt une coupe de sang. C'est une coupe de sang. Oui. Il n'y a pas les framboises dedans. Justement, en plus, c'est la même couleur. Évidemment, il y a toujours un petit côté inspiré aussi de Lady Macbeth, où elle va être poursuivie un peu par sa culpabilité aussi. Le sous-entendu, c'est que en obtenant le pouvoir de manière illégitime, on peut pas exercer un règne juste, on va dire. Bon. Et dis-le plus fort pour ceux du fond, c'est genre. Pardon.
Je serais pas Non, trop non, fort. je rigole, je rigole. Wow. C'est juste que c'est un thème très, très important et ouais, c'est cool, ouais. Donc, le personnage au milieu, derrière la vieille femme, c'est sa mère, D'accord. qui du coup aime beaucoup sa fille, Baladena. Sauf que dans la pièce de théâtre, je crois qu'il y a une histoire que la mère, elle est trop paysanne, elle fait honte à Baladena, donc elle décide d'abord de l'enfermer, ensuite elle l'exile, et puis finalement elle meurt des suites de cet exil parce qu'elle est abandonnée What? par sa fille. Ah oui, non, mais elle est pas sympa, Baladena, dans la pièce de théâtre, du tout. Ah ouais. Voilà. Et Baladena, explosion. C'est c'est ça. ça. Et il y a toute une histoire parce que elle va devenir l'amante d'un des chevaliers de son mari. Le chevalier en question va tuer le mari lors d'une bataille, il va profiter de la confusion, voilà. Et après, quand il va revenir en mode super, maintenant je vais être le roi avec toi, ben, elle l'empoisonne aussi. Bon, donc elle tue tout le monde et au final elle est un peu hantée par les fantômes qui reviennent se venger, on va dire. Il y a une espèce de drame absolu à la fin où quand elle devient pleinement reine, la première chose qu'on lui demande, c'est de rendre la justice. Et elle est obligée de se condamner elle-même sur toutes les affaires. On lui dit, ah, il y a Wow. une fille qui est morte dans les bois, on ne sait pas qui l'a tuée. Qu'est-ce qu'on fait quand on retrouve le meurtrier? Elle dit, ben, il faut le tuer. Sauf que c'est elle. Pareil pour le roi, pareil pour son amant et pareil pour sa mère. Mais du Wow. coup, dans le scénario que j'ai fait, j'ai repris les personnages, j'ai repris les relations, mais j'ai changé un peu les dynamiques pour faire quelque chose de complètement différent et pas avoir l'aspect très manichéen et très cliché, hein, parce que c'est aussi l'image très cliché, les deux sœurs, il y a la blonde qui est douce, qui est travailleuse, qui est Ben oui. absolument parfaite, et la brune qui est la fainéante, l'ambitieuse, etc. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus gris, d'un peu plus complexe, parce que sinon c'est pas très intéressant à jouer, je pense. Trop chouette. Bah écoute, c'est magnifique. Déjà, Lilu, elle est incroyable, hein. Vraiment, j'aime beaucoup le choix des couleurs, l'opposition, enfin, c'est pas une opposition, mais le contraste de jaune dans les jaunes et les mauves, là, comme ça marche hyper bien. C'est trop beau. Ouais, et on ressent une nuit très spéciale dans l'illustration. Le choix vraiment d'avoir comme une sorte d'auréole comme dans les icônes orthodoxes, là aussi, ça c'est trop trop beau, vraiment. Et les mains. Il est Locus Solus, il dit et les mains, et on va vraiment, oui, on va vraiment dire un mot, quoi, parce que c'est vrai que, ouais, t'es vraiment lâché, quoi, c'est vraiment ouf. Ben pour le coup, ça je l'ai rajouté à la fin. J'ai fait le PDF avec mon scénario. J'ai mis l'illustration. Bon, l'illustration elle est en verticale du coup dans le PDF. J'ai pas réussi à le mettre Ouais. en horizontal. Mais à la fin, j'ai rajouté tous les tableaux qui m'ont servi de référence. Ah, superbe. Ah bah, on va regarder ça du coup alors. Mais Parce tu vois, que il y a un Pardon. esprit Renaissance dans la composition aussi. On le sent, ouais. Ouais, y a ça. Au final, en vrai, je pense qu'il n'y a que la mère qui est inspirée vraiment d'un tableau Renaissance. Les autres sont plus tardifs, mais en même temps, Ouais. avec des. Bon, il y a plusieurs reprises hein, dans l'histoire de l'art, on a quand même des réminiscences, des espèces de rappels au passé et à la période de la Renaissance. Et Mais je trouve j'ai. que tes tissus, ils sont aussi impressionnants. J'ai presque la sensation de voir un velours, enfin quelque chose, enfin on sent qu'il y a comme une texture quoi dans le tissu et les reflets là, ils sont hyper travaillés. Je trouve ça vraiment cool aussi. C'est vraiment chouette. J'aime vraiment bien tout ça. Bon, on va découvrir le scénar du coup. Moi, j'ai trop envie. Allez. Alors, c'est parti. Hop. Tac. Et on va se mettre comme en... Attends, je cherche la meilleure présentation. Bon, bah, ce sera celle-ci. J'ai pas les mêmes présentations que d'habitude. Pourquoi? Ah oui, bon, c'est parce que c'est en réglage d'Actual Play, mais c'est pas grave. Donc le titre, Les framboises au goût de sang. Aya, ok. C'est déjà, on va dire, le mini spoil.
Non, c'est ouais, c'est pour faire le rappel, on va dire, du défi du début, parce que le début de l'histoire prend place, on va dire, 40 ans après, on va dire, le tout début de quand ça a commencé à partir un peu en vrille, et 15 ans, 15-10 ans après les événements, comme si Baladena avait régné pendant 15-10 ans. D'accord. Après avoir, ben, du coup, provoqué la mort de sa sœur, abandonné sa mère, tué son amant, etc. Ouais, tu Et replaces le récit à une date ultérieure, en fait, du coup. c'est ça. Et le but, c'est que les joueuses jouent des personnes qui reviennent après une longue absence, avec l'envie de devenir Ah. justice. Ah, très bien, d'accord. Et en fait, comme il y a vraiment une espèce de sous-texte autour justement de la culpabilité, de la justice, de qu'est-ce qui est juste, de est-ce qu'on peut être juste, est-ce qu'on peut vraiment être juste quand on obtient quelque chose de manière criminelle, on va dire. J'avais vraiment envie de faire un scénario qui tournait justement autour de ça, autour de découvrir quelle est la vérité, quelle est la véritable part de culpabilité de qui, quelles sont les véritables circonstances, et parler d'un espèce de jugement à la fin, mais qui est pas forcément un jugement qui va se finir par cette personne est absolument coupable et elle mérite la mort, comme c'était un peu la conclusion de la pièce de De théâtre, l'origine, justement. oui. Au 19e siècle, c'était un peu l'idée. Donc, d'avoir quelque chose qui est un peu plus gris, de se poser un peu plus de questions, et d'avoir justement aussi un personnage de Baladena qui n'est pas l'horrible fille absolument ambitieuse, espèce d'horrible reine meurtrière qu'on peut avoir, parce que bon, ce sont aussi un peu des récits un peu misogynes où on présente, voilà, la femme séductrice, fatale, qui tue tout sur son passage pour obtenir le pouvoir. Bien sûr. Ben moi d'ailleurs, c'est un peu ça que je fais. Hein. Je vous préviens. C'est comme ça que je vis. Et d'ailleurs, je suis brune, tu vois. Donc il faut se méfier de moi. Faire hyper attention. Alors, donc tu Là, parles, c'est... voilà, de toutes tes inspirations. Ok. Baladina, ça s'écrit avec un Y, d'accord. Ok. Et donc par Julius Slovaki. C'est une pièce de 1834. Ok. Alors, on a une liste d'avertissements de contenu, qu'on va la dire. Ça, je trouve ça toujours bien, même pour le jeu. Ah, je vais pas y arriver. Le live Twitch. Donc, avertissement de contenu, on a assassinat, crime, culpabilité, dépression, emprise, fantôme, hallucination, homicide volontaire et involontaire, malédiction. Après, il y a des choses que je n'arriverai pas à voir. Attends. Comment je peux faire? Meurtre, monstre, mort, mutilation, sexisme, violence, violence conjugale, familiale et psychologique, et violence sexuelle Non et explicite. non explicite. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. C'est Donc. pas, je le précise sur ça, je l'ai pas dit explicitement effectivement dans le texte, mais je dis juste qu'effectivement à un moment donné, un personnage se retrouve marié, que son mari la voit que comme un moyen d'obtenir des héritiers. On sait ce que ça veut dire. Ouais, C'est c'est pas clair. explicite, mais je préfère faire plus que moins. Mais t'as raison, il vaut mieux. Donc, bah, en plus, si les gens devaient jouer, et au moins, il n'y a pas de découverte sur les trucs et on peut en parler avant. Donc, c'est très, très bien. Et c'est tout à fait Et en ligne avec ce que nous, on fait sur la chaîne, de toute façon. ce que j'ai mis aussi juste avant l'avertissement de contenu, c'est Ouais. qu'en aucun cas je cautionne le victim blaming de Ouais. toute personne réelle, et surtout pas d'utiliser, on va dire. Je sais qu'il peut y avoir des discussions, moi j'en ai beaucoup eu avec des gens qui sont pas forcément très compatissants, surtout en matière de violence intrafamiliale et conjugale. C'est un sujet qui me touche aussi, pas forcément personnellement, mais dans mon histoire familiale. Donc je le précise aussi, on traite ce sujet-là, c'est des fois complexe. Moi j'invite les gens à se poser des questions, mais à garder cette compassion envers les victimes et de pas balayer tout ça sous le tapis en disant c'est de sa faute, elle avait qu'à partir. Ouais, grave. Ouais. Et tu fais bien.
Et puis c'est cool de questionner même au travers des jeux. Donc même si on joue à des trucs et à interpréter des persos et des histoires dramatiques, c'est cool de se questionner. On le fait pas parce qu'on a envie de dire que c'est bien ou enfin on le fait aussi pour se poser des questions. D'ailleurs, moi je fais un aparté là-dessus. J'ai jamais joué vraiment des méchants méchants dans les JDR ou les GN. Tu vois, j'ai jamais réussi à jouer vraiment des grosses mauvaises personnes hardcore. Et quand j'essaye, parce que j'essaye des fois, tu vois, des fois je me dis je vais me prendre un rôle vraiment horrible. Mais en fait, je me rends compte que c'est très dur parce que on a toujours une partie de soi qui dit oh là là, mais en fait, je peux pas faire un truc comme ça, quoi, tu vois. Et ça, je trouve ça intéressant aussi d'avoir des mauvais, des méchants à jouer. C'est pas évident. C'est pas évident aussi. Et Bouba, je pense que tu es un peu comme moi là-dessus, ouais, aussi. C'est difficile parce que effectivement, on s'entend parler. Et Moi, je oui, sais et c'est qu'il ça. y a, il y a des moments quand je dois jouer les méchants dans certains de mes JDR. Bon, j'ai fait des trucs qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Je reste toujours très implicite, jamais direct, Mais surtout c'est ça. concernant les discours de haine. Mais même quand je m'entends et que je sais du coup ce qu'on est en train d'impliciter, je me dis oula, ça fait bizarre d'entendre sa propre voix dire ça. Ouais, c'est hyper bizarre. C'est hyper, hyper étrange, ouais. Mais du coup, c'est bien. C'est des zones grises. Je trouve que le jeu permet d'explorer tout ça. Mais Ukevia a la raison. C'est vrai que les méchants sont souvent moins lisses, ils sont plus rugueux et souvent ils sont très intéressants à interpréter. Bah, en tout cas, je suis comme ça, moi. Je joue souvent des méchants et ils sont méchants les pros, au début et après, souvent, ils ont un peu des trajectoires de rédemption. J'ai du mal à faire autrement. Alors, tu nous proposes, on va poursuivre un peu, on va essayer de pas passer trop, trop, trop de temps. Il y a quoi? Il y a 23 pages, donc ouais, on va essayer On va pas les lire de toute façon. de survoler, mais donc gros document encore, donc félicitations, 23 pages, hein, Bérec, donc waouh, waouh. Alors, on a une créa de personnage, donc là tu nous proposes carrément de créer son perso. C'est pas vraiment une création de personnage, Ouais. c'est juste la création vraiment de la tâche du personnage à l'histoire. D'accord. Parce que tout Ok. repose sur le fait que les personnages ont une volonté de revenir et de découvrir la vérité. Donc, ce que je propose, c'est que il y a donc quatre victimes en tout, potentiellement qui pourraient intéresser les personnages, et de dire, vous pouvez choisir quelque chose qui vous relie en fait au crime ou en tout cas à la mort de ces personnes, qui fait que vous êtes motivé à À vous vouloir vous venger, pointer un quoi. peu, pas Enfin, en tout forcément à se cas, venger, mais en tout à cas à comprendre ce qui volonté. s'est passé. Voilà. Donc que ce soit le fait que la personne voilà, était de la famille, avait des sentiments forts pour la victime, et une sorte de dette d'honneur envers elle, ou même que ben, la personne a été accusée à tort pour détourner l'attention, ou qu'elle ait même potentiellement participé volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, à la mort d'une des victimes. Et donc justement un peu tout là je spoil un peu les morts des personnages parce que on a donc la sœur, sa mort est présentée vraiment comme un accident. En accident, ouais. La dispute qui dégénère une mauvaise chute et voilà. La mère qui est pas du tout une bonne mère que la fille en fait chasse parce qu'elle est juste trop toxique et dangereuse pour elle. Le premier mari, qui est pas du tout un bon mari et pas du tout le prince charmant qu'il prétendait être, évidemment, qui va être tué par un de ses chevaliers, le chevalier en question, qui se présentait comme un preux chevalier servant qui va protéger son amante, et puis une fois que le mari est dégagé, il revient en mode hey, maintenant c'est le moment de payer ta dette. Ah ouais, Moi aussi, d'accord. je veux le pouvoir. Donc, c'est un petit peu cette chose-là. Et donc, une des choses aussi que je voudrais préciser par rapport à ça, c'est que la hantise, vraiment le fait d'être hanté par les fantômes pour Baladena, pour la reine Baladena, c'est pas forcément
une volonté de ma part de dire qu'elle est absolument coupable et qu'elle mérite de souffrir. C'est plus l'aspect justement du poids du silence que beaucoup de victimes peuvent ressentir dans la vraie vie. C'est que des fois, on est victime ou alors c'était un accident, on n'est pas forcément, au regard d'un tribunal, ne nous jugerait pas forcément coupable. Mais on n'a pas... On se sent jugé par la vie, les gens et nous-mêmes. On se juge soi-même et surtout, si on ne peut pas en parler, si on veut cacher ça et qu'on se retrouve vraiment dans une solitude, on peut avoir ces sentiments justement de culpabilité et de mal-être absolu qui peuvent revenir et nous empêcher en fait tout simplement de faire notre deuil ou de passer, de se reconstruire. Et c'est plus cette volonté, les fantômes ne sont pas là comme un châtiment divin en fait. Parce que c'est justement un peu ça, dans la pièce de théâtre, c'est vraiment le châtiment divin qui vient s'abattre sur l'horrible coupable absolu. Donc voilà. Ok, c'est un super thème. J'en profite, je m'interromps une seconde pour faire un vrai coucou officiel à Tangirl, parce que je n'avais pas vu que tu étais là. Bon coucou. Alors, parce que Dame Philippe, attendez, je vais vous expliquer ça quand même. On va remonter un peu. Voilà. Donc, juste Tangirl, elle m'appelle Dame Philippe, parce qu'en fait, c'est une copine de longue date, une amie de longue date. Et on travaillait ensemble. Et c'était il y a, je pense, presque 10 ans maintenant. Mais je suis très fan des films mal doublés et des nanars. Et moi, je suis très fan de Hitman le Cobra, si vous voyez. Et dedans, ça crie beaucoup Philippe. Et du coup, au travail, Philippe, c'était mon surnom pendant pas mal de temps. Donc voilà, elle est venue me faire le coucou et ça me touche pas mal. Et désolée de cette interruption dans ta création, mais je voulais lui faire un vrai coucou parce que c'est cool. Et on sait où je me cache en plus. Tout à fait. Allez, on est parti pour la suite donc de la découverte des framboises au goût de sang. Je pense qu'on ne va pas faire tout le scénario, on aurait un peu trop. Je vais juste expliquer dans les grandes lignes, j'ai essayé de rattraper un peu des trucs, rattraper les branches, essayer de mettre un petit vernis ombre d'Esterène dedans. Est-ce qu'on peut peut-être regarder... On va passer peut-être à la fin pour voir les fameuses références. Allez. Alors, je ne sais pas en quelle page c'est, ça doit être par là. Hop. Voilà. Ouais. Ah oui, du coup, elle est dans ce sens-là, ok. Je voulais la mettre en horizontal, mais je n'ai pas trouvé. Donc voilà, justement, les références. Parce que j'insiste, il faut travailler avec des références. Il y a des gens sur Internet qui disent « Ah non, les artistes, ils font tout de tête, c'est faux. » Non, personne ne fait ça. Enfin, peut-être, mais ouais. Les méga-boss, quoi. Mais même les méga-boss, ils ont des références. Hein. Donc voilà. Du coup, tes mains, oui. Là, c'est trop bien. Parce que les mains, c'est compliqué. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est très dur. Donc là, oui, le Copernic, c'est la pose générale pour Baladena. Là, j'ai récupéré la main au-dessus, c'est pour le chevalier, l'homme qui est sur la gauche. Donc comme ça, ça fait des jolies mains. Tableaux ici, j'avais récupéré des morceaux que j'ai collés dans tous les sens, c'était compliqué pour faire la pose générale du chevalier. Bon, finalement, il y a la moitié qui est partie parce que je me suis souvenu que c'était un fantôme et qu'il devait disparaître dans les ombres. Donc les jambes, on les voit pas trop. Et après, je crois que pour les autres, la page d'après. Ouais. J'avais pas forcément les photos. Attends. Ah oui, voilà. Celle-là, j'ai les photos, mais je pense pas pouvoir les diffuser. D'accord. Parce qu'il y en a certaines qui sont. Il y a de la nudité, genre, c'est ça? Non, et puis les droits d'auteur. Les tableaux sont pas soumis aux droits d'auteur, mais les photos, si. Ah, d'accord. Donc, potentiellement, j'ai pas forcément le droit. Je suis pas sûr, en fait. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre. De toute façon, si jamais vous copiez les informations, vous devriez retrouver des images. Bah écoutez, au pire, sinon, tu pourras peut-être nous mettre, un copier-coller de cette page-là dans le Discord de la JAM. Et comme ça, si on veut aller regarder, nous,
les tableaux, on aura la ref écrite facilement aussi. Et voilà. Eh ben, franchement, quel beau taf, encore une fois, Bérec. Merci infiniment de ta participation. C'est trop, trop cool. Allez, pour le plaisir, je vais nous remettre un petit coup de Lilu pour qu'on se quitte, parce qu'elle est vraiment incroyable. Voilà, donc j'en profite pour dire aussi, si des gens voient cette rediffusion, que nous avons des illustrateurs dans cette communauté qui sont des gens qui sont absolument talentueux et qui font, comme vous le voyez là, des illus. Donc, je pense que c'est de la tablette graphique avec une base, et puis après c'est coloré. On a également, en plus de Bérec qui est là, Booba qui fait des illus. On a Cédric Chaillol alias César Baruc qui fait de la 3D, beaucoup, 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 beaucoup de 3D. Voilà, on a plein de gens qui sont avec nous, qui illustrent. Si vous êtes créateur et que vous avez des choses à illustrer, pensez à nos camarades aussi, n'hésitez pas, même si c'est pas leur full-time job, vraiment arrêtez de nous faire croire qu'il faut les budgets de Bill Gates pour illustrer des JDR. Il y a des gens autour de vous. Voilà, donc je vais juste en profiter pour leur dire, quoi. Donc voilà. Et Buck Rogers, très impressionné par le travail qui est fourni en si peu de temps. Eh ben, je le rejoins. Voilà, moi aussi, je trouve ça incroyable. Vous êtes très fort. Vous avez un mois, vous faites des trucs fous. Donc, bravo, Bérec. C'était très, 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 très joli, encore une fois. Et toujours sensible, toujours délicat, toujours malin, toujours intelligent. Donc, voilà, c'est trop, trop bien. Merci à toi. Merci beaucoup. Et à te voir, le groupe. Allez, c'est l'heure du groupe. Bonne soirée. Ouais, à toi aussi, salut, ciao. Aïe, 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 c'est trop beau. Comme c'est trop beau. Bon, bah, c'est le groupe. Alors, pour le groupe, il va nous falloir patienter, je vous le dis, hein, voilà. Vous allez avoir à peu près, moi, je sais combien de temps ça va durer. Le groupe va vous proposer une création qui va durer à peu près 11 minutes. Et donc, ça veut dire que on va pouvoir aller ensuite, vers la clôture de la soirée, voilà, d'ici 22h45 à peu près, au calme. Donc, c'est bientôt. Moi, je vais juste faire un mini AFK, le temps d'inviter la personne que je dois inviter pour qu'on vienne présenter à deux ce petit truc. Et puis comme vous l'avez compris, voilà, c'est moi et quelqu'un d'autre qui a fait un groupe. Il y a donc le suspense et on va venir vous présenter ça. Donc j'arrive, j'en ai pour un tout petit instant. Je fais un mini AFK parce que je sais que le truc va durer une durée spéciale et donc je suis pas sûre de pouvoir tenir la durée du truc. Et non, ce soir, je crois qu'il n'y a pas de participation de Lazare Baruc car il n'a pas eu le temps. En ce moment, c'est chaud, il y a beaucoup de choses à faire, de boulot. Et il a le pied cassé, si vous voulez tout savoir. Donc, en plus, ça chamboule des trucs, c'est chiant. Et voilà. Et puis voilà. Mais j'arrive et j'ai envoyé le lien à mon camarade. Donc, on arrive. Je vous mets peut-être de la musique pour ne pas vous laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme truc pour que vous patientez ? Là, ça, je vais vous mettre ça, voilà, hop, paf, attends, je vais faire un vrai truc de streamer, ah, c'est beau, hein, vous avez vu, voilà, et puis on va vous mettre ça.
Et me revoilà. Vous voyez, c'était rapide. Alors, donc la personne concernée avec qui j'ai fait la petite créa, je t'ai envoyé un mail. Donc si tu, enfin, je t'ai envoyé un message privé dans Discord, on va y arriver. Si tu as un micro et un casque, tu peux venir présenter avec moi. Si tu n'en as pas, juste tu me dis, bah non, j'en ai pas et je le ferai pour nous deux. Mais bon, c'était sympa si on pouvait être tous les deux. Je vais en profiter pour répondre aux petites questions. Alors, je ne te vois pas apparaître dans le salon, par contre. Tu me dis que tu as cliqué. Tiens, tiens, tiens. Il y a un truc qui ne marche pas. Je ne te vois pas apparaître dans le salon. Donc, c'est qu'il y a un truc. Ah, si, le voilà. Ah, eh ben, je t'ajoute. Tu es prêt? Allez. Bonsoir, Boum. Comment vas-tu? Bonsoir Philippe, je vais très bien. Ah, j'aime qu'on m'appelle Philippe. J'adore. Bonsoir tout le monde. J'adore. Bonsoir. J'en profite pour répondre aux gens qui avaient deux, trois questionnettes. Alors attends, attends, attends. Il relit ton Sénat. Oui, Locus Solus. Il doit être en train de faire ça en ce moment, Cédric, entre autres. Un mot d'explication sur le triage, Bouba? Non, tu n'auras pas d'explication sur le triage. Triage, c'est le scénar que j'ai fait sur l'horreur corporate, donc je vous avais parlé la dernière fois. Et ça a beaucoup inspiré Cédric, donc il est en train de faire plein d'illus et de trucs marrants pour ça. C'était quoi la zic Buck Rogers? C'était Keshi, que je vous recommande chaudement. Keshi, genre, je vais vous l'épeler ici. Hop. Voilà. Et lui, il est fort. Il fait pas mal de petits trucs un peu trap. Et j'aime bien ça. Et ben voilà. Alors, boum. Qu'est-ce qu'on dit de cette création en suspense avant de la faire découvrir? Est-ce que tu as une idée? Voilà, mon long silence et mon manque de réactivité est une réponse. Très bien. Non, j'ai peur de déflorer l'éventuel petit mystère, mais peut-être que plus sérieusement, je te remercierai et je te remercie, mais je l'ai déjà fait, mais bon, non seulement d'organiser les jams, parce que c'est vraiment, vraiment très, très chouette comme principe, d'autant que tout ça se passe dans un état d'esprit bienveillant, mot important. Et je suis content d'y participer pour la première fois parce que ben, je regrettais jusqu'à présent, sans aucune autoflagellation, mais je regrettais de ne pas pouvoir soutenir à mon petit niveau, comme toutes les personnes qui participent, ben, cette belle initiative. Donc là, il y a eu l'occasion, facilitée par la coopération que tu as proposée, et je me suis Merci. dit, ben, voilà, trop bien. Donc moi, en tout cas, je me suis amusé. J'espère que ce qui sera proposé pourra divertir, inspirer les personnes qui vont l'écouter et qui l'écouteront. Mais ben Tiens, écoute, c'est cool. je Oui. dirais peut-être que ça peut servir éventuellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça peut servir de source d'inspiration pour un scénar. Je crois me souvenir que dans Ouais. Les Ombres d'Esterhen, il y a deux canevas, deux types de scénarios possibles. Et je crois que l'un des deux, c'est dédié à des one-shots assez resserrés, assez courts. Mais je me dis que peut-être, dans ce qu'on va proposer, il y a peut-être matière pour jouer un one-shot, en tout cas trouver l'inspiration. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je te renvoie les remerciements. C'était très cool de faire un truc à deux. J'aime beaucoup ça. Et voilà. Et on a fait un format qui me tient à cœur, que j'aime bien d'ailleurs. Donc c'était très cool. Et je vais pas en dire plus. On va laisser les gens découvrir tout ça. Et voilà, c'était trop bien de faire une collab. J'avais envie de faire une collab depuis longtemps pour une jam. Donc bah, je relance l'appel à ceux qui veulent en faire, hein. Ou toi si tu reveux, mais voilà, on est aussi trop trop content de faire des collabs. Et donc sans plus attendre, on va vous faire nous écouter quelque chose. Donc je vais me mettre en retrait, voilà, on va vous laisser profiter de ça. On vous conseille d'avoir un son relativement fort pour en profiter. Voilà, mettez le son à un bon volume chez vous. Moi j'ai fait un petit truc à afficher pour qu'on soit dans un coin pour que les gens ils nous voient pas trop.
Ouais, j'ai arbitrairement choisi un titre, désolé, à la dernière Super, minute. trop bien, merci beaucoup. C'est chouette, avec un petit visuel et tout. Et voilà, donc on va vous laisser écouter quelque chose. Donc mettez-vous avec du pop-corn, tranquille, fermez peut-être les yeux, je sais pas, faites Voilà. comme vous voulez chez vous et profitez. Voilà. Et c'est pas le passé simple. On y a veillé tout le temps. Donc, voilà. J'espère que ça va marcher surtout. Et nous, notre micro sera coupé pendant ce temps-là. Boum, c'est pas moi qui va le faire, c'est le truc qui va. Ça va se faire tout seul. Donc, c'est parti. Bonne écoute. On va le redécouvrir avec vous. Chers camarades amoureux d'histoire, bienvenue. Cette courte fiction sonore vous est proposée par Sébastien Mintoff et Lino Major Zero. Tout à la fois l'écriture, les voix et le montage ont été partagés. Le présent récit prend place dans l'univers du jeu de rôle Les Ombres d'Estérène, édité chez Agathe. Vous passerez toutefois un très bon moment, même si vous ne le connaissez pas. Bonne écoute. Laborieusement, caché par l'ombre de sommets blancs et affûtés, l'homme chemine inlassablement. La cité d'Ardmonach est depuis longtemps invisible, dissimulée au bord du monde, derrière des masses accablantes de pierres. Devant l'homme, il n'est rien d'autre qu'une interminable marche en direction d'Ostabaï. Là-bas, la mer l'attend. Dans le ciel de l'homme, l'oiseau blanc et noir aux reflets iridescents plane doucement. L'oiseau remarque la jolie ficelle colorée qui dépasse de la besace de l'homme. Elle ferme visiblement un précieux petit paquet. L'oiseau aime cette ficelle. L'oiseau aime aussi l'homme. Qui veut ouïr chanson, chansonnette nouvelle. L'homme s'en est venu par le chemin du nord et il se tient maintenant près du puits du village de Haut-Mudan. Il a 100 nouvelles à donner et presque autant à recevoir, alors il chante pour s'annoncer. Bientôt l'on se presse autour de lui, les yeux usés d'espoir, de crainte, d'impatience. Le silence se fait une place, puis l'homme parle enfin. 100 nouvelles du lointain roulent sur sa langue et visent chaque cœur. Fiançailles, naissances, semailles, moissons, morts, jachères, et tant de choses encore. Il n'a guère le temps de soutenir les joies et les peines qu'il sème, car d'autres attendent et espèrent plus loin sur le chemin. Aussi, à la besace et au cœur, l'homme porte précieux présents et chants de fête, qu'il veut à sa mère délivrer pour célébrer le jour qui a vu jadis naître la vaillante femme. Le bruit de son karat martelant la route de sa cadence hardie et son cœur battant le serment de Varigal, pas après pas, il n'est déjà plus qu'une ombre piquée sur l'horizon. La route est longue et courte les saisons. Là-haut, voguant libre sur la mer grise des cieux, il devine son unique compagnon de voyage. L'oiseau fixe de ses yeux noirs l'homme qui progresse vers le sud. Leur halte de village ne plaise pas à l'oiseau. Trop de bruit, trop de mouvement et trop de chats posés sur le rebord des fenêtres. Heureusement, l'homme repart en général rapidement. Tout au plus après une nuit et contre un pochon de sel, de la soupe ou une miche de pain qu'il n'hésite pas à partager avec son compagnon. Le temps est au froid à la poursuite du voyage. L'oiseau se place face au vent, le laissant glisser sur ses plumes et l'empêchant de pénétrer jusqu'à sa peau. L'homme descend du col, dont l'amorce de la pente est marquée par deux hautes pierres jumelles aux gravures démortaines énigmatiques. L'herbe brûlée par le frimas remplace peu à peu les pierriers menaçants. L'oiseau aime retrouver la vie foisonnante de la plaine qui se cache derrière les rochers et court dans les bosquets. Il ramasse déjà ça et là quelques poils douillets laissés sur place par de généreux caprins et se régale de petits escargots succulents. De coups de bec en battement d'ailes,
L'oiseau tourne les pages des cieux et fait avancer l'homme. Le temps passe et voici que tout change. Morne paysage, dispersé dans la plaine, les flancs immobiles d'une centaine de chèvres couchées sur le côté, noyées dans les récifs verdoyants de l'herbe haute délaissée par ce qui fut un troupeau. Chaque bête morte garde un œil grand ouvert, vitreux, tourné vers les cieux impassibles qu'aucun nuage n'ose venir piquer. L'odeur de la charogne, l'une des premières effluves du monde, plane partout en ces lieux. Pas un seul corbeau ne s'est invité à ce festin. Quelque part, le grincement régulier d'une porte de bois ose fendre le silence et en battre la mesure. L'homme s'approche d'un pas prudent. Entre les interstices des planches d'une cahute et les effluves d'urine, dans la ténèbre abyssale, deux yeux fous épinglés et le souffle rauque d'un chevrier hirsute, nu, scarifié. Une myriade de runes sanguinolentes bariole ses chairs. Un bouc polycérate erre au milieu du charnier caprin. De ses quatre cornes tordues perlent en sombres gouttes sirupeuses une lymphe noirâtre. Soudain, il charge et entaille le flanc du varigal qui d'un bond sauve sa vie. Le pense-t-il du moins à cet instant du récit ? Les suppliques de l'oiseau n'y font rien. L'homme n'entend pas les vocalisations de son compagnon qui s'égosille contre le vent. Avide de mettre de la distance entre l'abominable bicoque et l'infect animal cornu, l'homme terrorisé court à toutes jambes en direction de la rivière. L'homme fuit par la lande moribonde, un poison rongeant son flanc. Plus il s'agite, plus il meurt. L'oiseau le guide, mais en vain. L'homme a cherché les runes familières sur les bornes de pierre et le tronc des arbres, n'y a trouvé que du lierre poisseux, urticant, et des cohortes de vers grouillant sous l'écorce. Les arbres suintent d'une sorte de bile noire purulente. Il y a la froide brûlure et la peur qui rampent depuis ses entrailles jusqu'à sa raison. L'oiseau en a une conscience aiguë. Les esprits de la nature, les Smaog, ont abandonné cet endroit maudit. Le torrent serpente dans une atmosphère méphitique. Un flux jaunâtre et poisseux remonte des profondeurs du monde. Ce liquide immémorial, provenant des entrailles de la terre et du temps, empoisonne la rivière. Il corrompt et tue tous ceux qui s'y abreuvent. Pour l'homme, désormais, chaque pas est un supplice que son bâton ne saurait pas plus soulager que l'épaule d'un ami. Il faut tenir et marcher encore. Depuis les cieux, il y a l'ombre d'une aile et la chandelle d'un champ, et plus loin devant, il y a le fleuve et Ostabail et la mer dont il est l'enfant. Alors le varigal marche, encore, car il faut tenir, encore, le vol et l'appel de l'oiseau en guise de boussole, toujours. Dans sa course folle, le voyageur reste aveugle à la méchante pierre qui lui dévore la cheville. Il vacille en un éclair et se trouve projeté contre la boue empuantie de la rive, le pied cassé, le flanc saignant abondamment. La corruption funeste se répand déjà jusque dans son âme. L'homme tombe, la cheville brisée, le flanc et le front brûlant d'une même fièvre vorace rongeant sa volonté et sa raison. Il lui semble que la mer tire son col, chante « Courage !» à son oreille, offre chaude caresse à son cou glacé de sueur. L'oiseau se pose à côté de l'homme, puis sautille et tire de coups de bec sa chemise de lin. Il vadrouille sur son épaule, se blottit dans le creux de son cou, immobile, terrifié, seul. L'homme revoit les visages et les messages confiés. J'étais la somme de leur espoir, puissent-ils me pardonner? Il voudrait les rivages de sa tendre mère, lui dire qu'il l'aime, lui dire merci. Il égrène les noms des oiseaux dont il porte les plumes en collier. Mésange charbonnière, roitelet des haies, rouge gorge, ultime prière. Dans sa folle panique et du fond de ses affres, l'homme tend son esprit vers celui de l'oiseau fidèle qu'il ne voit plus. Va,
vol, vie, voudrait-il lui dire. L'oiseau sait que l'homme partira bientôt de l'autre côté et qu'il ne devrait pas rester ici. L'oiseau aime la ficelle colorée et la ramasse. L'oiseau aime aussi l'homme. La rivière grossit à mesure que les plaines se peuplent de villages. Bientôt, c'est un fleuve qui rejoint les remparts de la cité d'Ostabaï. Ces eaux vagabondes sont autant de pinceaux dessinant les étroites gorges en haut desquelles de vertigineux plateaux accueillent la ville haute. Des passerelles monumentales permettent de naviguer dans cet océan de pierres blanches, de rues pavées, de toits rouges et de colombages. La ville basse est accessible grâce à l'étrange machinerie des élévateurs de diol, dont les rouages grincent et claquent dans une fumée dense et étouffante. L'oiseau, épuisé, arrive enfin. Au fond de la ruelle, derrière l'épaisse fenêtre, la mère prépare un dîner qu'elle mangera seule. L'hiver est déjà trop avancé. Elle fredonne un air triste. Qui veut ouïr chanson, chansonnette nouvelle. Des coups de bec sur le carreau. Après un instant d'hésitation, la mère ouvre la fenêtre de verre. Là, sur le rebord, gît la ficelle colorée. Ainsi va la vie, entre joies et peines, de moments passés en souvenirs qui traînent. L'amour demeure, même dans la disparition. L'oiseau chante, hymne à son compagnon. Fourbu, l'oiseau vient, portant un présent, témoignage d'amour pour cette maman. Et c'est la fin. Et je suis désolée, vous avez eu des petits couacs sur le son, je pense, mais ça, c'est à cause du live. Nous, on a un fichier d'assez bonne qualité, mais bon. Donc voilà, et je tiens juste à conclure, parce qu'on ne l'a pas dit avant, que j'ai proposé à Boom, qui a accepté avec beaucoup de gentillesse, qu'on parle d'oiseaux et d'anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, on est le 2 février, et c'est pas juste la Chandeleur, c'est l'anniversaire de ma maman, qui est dingue d'oiseaux. Elle adore les oiseaux. Et donc, voilà, on voulait aussi... Il a été d'accord aussi pour qu'on parte sur ce thème, pour qu'on puisse fêter, même si c'est un peu tristou, mais bon, voilà. C'était l'histoire d'un cadeau d'anniversaire d'une maman et d'oiseaux, et c'était aussi pour elle. Donc, je vais lui envoyer, là, tout à l'heure, elle aura le lien pour pouvoir écouter ça. Voilà. Donc, merci d'autant plus d'avoir participé avec moi, Boom, parce que c'est trop mimi. Bah, écoute, c'était une petite chose supplémentaire, un plaisir supplémentaire. Et je t'avouerai que, effectivement, quand on était en train de faire notre petite tambouille en se passant nos textes, à un moment donné, je me suis dit, vu l'occasion liée donc à l'anniversaire de ta maman, on s'est un peu engouffré dans une histoire qui est très triste. Est-ce que ça parasite pas l'intention? Mais bon, j'ai gardé la question me disant que de toute façon, si ça posait un quelconque souci, tu l'aurais manifesté. Mais si je peux me permettre de dire un joyeux anniversaire à ta maman, enfin, en tout cas, je viens de le faire avant que tu m'y autorises, mais bon. Bah oui. Joyeux anniversaire à ta maman, en tout cas. Elle sera contente, et en plus, c'est trop bien parce que, pour un peu raconter, on a vraiment tout partagé. On avait un Google Drive où, du coup, on se mettait au tac au tac, une sorte de cadavre exquis entre Boom et moi, et quand j'ai vu que tu avais fait référence au roitelet aux oiseaux qu'elle préfère à chaque fois et tout, ça m'a touchée parce que donc voilà, il y a vraiment les oiseaux qu'elle préfère aussi, tu les nommes et tout, donc voilà, c'était trop cool, donc c'est chouette. Donc elle s'appelle Patricia, ma maman, si vous voulez tout savoir, donc voilà.
Je lui dirais qu'on a... On... Voilà. Joyeux anniversaire, Patricia. Elle sera très contente, j'en suis sûre. Ben, merci, Boum. Et puis, ben, voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez réussi à voyager un petit peu avec cette histoire. On vous remettra, moi, je vous remettrai des liens dans le week-end sur le YouTube et SoundCloud et dans le Drive. Comme ça, si vous voulez un peu mieux entendre peut-être la musique et tout, sera peut-être plus clair. Chez moi, c'était pas très clair, là, quand j'ai écouté. Mais bon, après, j'ai une mauvaise connexion. Donc, je sais pas chez les gens comment c'était. Et ben, écoute, Boum. Est-ce que tu veux conclure? Est-ce que tu as... En tout cas, peut-être juste profiter de l'occasion pour de nouveau dire merci aux gens qui, ce soir, ont proposé quelque chose et de pouvoir, de vive voix, dire merci à toutes les personnes qui ont proposé des trucs sur les jams d'avant. Et au risque de me répéter, mais c'est vraiment une chouette initiative parce que créer des choses, c'est, à mon sens... important pour ne pas dire primordial, même si ça n'est pas toujours, voire rarement facile. En tout cas, pour moi, c'est jamais évident. Néanmoins, je trouve que c'est de plus en plus vital. Pardon si c'est peut-être, si ça peut paraître grandiloquent comme propos, mais voilà, vraiment la jam, c'est une très très belle chose. Il faut faire, enfin, pardon pour cette injonction, mais c'est bien de faire des choses, c'est bien d'avoir des élans créatifs et de se jeter. Évidemment que l'exercice n'était pas facile pour moi de m'écouter. Y a des tas de choses, j'aurais aimé faire plus. Voilà, on connaît tous ça, j'imagine. Quand on écrit, quand on dessine, on aimerait pouvoir améliorer sans cesse. Mais c'est bien en tout cas de faire ça. Je parle beaucoup trop, pardon. Non, pas du tout, c'est très cool. Moi, je suis très contente qu'on discute. Et je te rejoins, il faut absolument trouver des petits espaces de création dans sa vie. Et même si c'est sur un post-it au bureau, que vous faites un micro-donjon, ou que vous mettez trois notes pour le prochain scénar que vous allez jouer ce week-end, c'est cool. Je veux dire, c'est des petits moments important, et c'est un peu l'idée de la jam. Et alors, oui, moi, je vais quand même reprendre les compliments sur la voix. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai pas proposé à Boum innocemment de participer à enregistrer l'épisode de la jam, hein, pour rien. Je trouve aussi qu'il a une voix qui est très chouette et qui se prête très, très bien à l'exercice avec une belle diction. Donc oui, une série de podcasts, mais il y en a une, parce que tu en as une sur SoundCloud où tu as fait Madame T. Donc je sais pas là si en une seconde je peux mettre le lien dans le chat, mais si vous voulez écouter, il a fait un petit truc. Je vais essayer de vous donner ça. Donc il s'appelle Samuel Bellamy sur petit pseudo qui va bien, oui. Voilà, sur SoundCloud, et vous pouvez aller l'écouter. Voilà. Donc je vous y encourage, évidemment. Si ça marche, ça n'a pas l'air. Attends, je vais le mettre là. Hop. Quand je mets des liens, souvent, le robot n'est pas hyper content. Voilà, c'est bon. Le robot ne détecte pas toujours. le robot détecte. Alors, on n'est pas tombé sur les déchets, hein, à mon grand regret, pour ce mois-ci. Alors, je voulais juste poser une question, mais est-ce qu'avec les points de chaîne, on peut influencer sournoisement, décaler d'un certain cran la roue? Il faudrait. Moi, je peux claquer. Cela dit, d'une, c'est excellent aussi. Tous les thèmes sont excellents, mais... Voilà, les déchiens, faudrait que ça tombe à un moment donné. Faudrait que ça tombe à un moment donné, on est d'accord, ouais. J'espère. Ce serait formidable. Bon, ben, en tout cas, merci, Boum, à très bientôt. Merci, c'était à très cool. Vite. Et merci encore. Salut, de rien, ciao. Salut tout le monde, portez-vous bien. Et voilà, les copains, vous avez eu toutes les créations pour ce soir. Voilà. Et pour ma part, j'étais donc ravie de pouvoir faire un truc avec Boum. Ça faisait longtemps que j'avais entendu sa voix sur son podcast, et puis que j'avais écouté ses manières de dire les mots, et que j'aimais beaucoup. Donc, c'est trop cool qu'on ait pu faire ça. Et puis, alors moi, j'aime bien les fictions audio. J'en écoute pas mal aussi. Donc, c'était chouette de pouvoir en faire une. J'étais contente. Donc, encore une belle soirée. Donc, ce soir, on a eu en création autour du thème d'Estheren, JP qui nous a fait, du coup, Elinor et Hamlet, un scénario en trois actes
inspiré des pièces de théâtre et c'est assez tragique et dramatique. Nous avons eu du coup Bérec qui nous a proposé une magnifique illustration inspirée de la pièce de théâtre Belladina, si je ne me trompe pas dans la prononciation, qui est une pièce de 1834 dont il a repris les idées pour faire une très jolie illustration, également accompagnée d'un scénario de 23 pages qui en reprend les thèmes, même si il en change un petit peu les faits pour le rendre plus actuel et poser des questions plus actuelles. Et Boom m'a fait le plaisir de bien vouloir collaborer pour à écrire, concevoir, enregistrer et monter tout à deux ce podcast, cette fiction audio que vous avez entendue. Et je vous encourage à découvrir ce qu'il enregistre par ailleurs et que c'est très très cool. Voilà, donc je vous ai mis le lien dans le chat. Et je ne le redirai pas assez. Si vous aimez les illustrations, on a des illustrateurs dans notre communauté, n'hésitez pas à les contacter. Donc ce soir, c'était Bérec et Booba qui étaient parmi nous dans le chat. Bérec qui a participé à la jam. Si c'est plutôt des scénaristes qui vous intéressent, on est assez nombreux, pareil, à être scénaristes. Donc n'hésitez jamais à discuter avec nous si jamais vous aviez quoi que ce soit qui vous intéresse autour de tout ça. Quant à moi, je vous rappelle donc qu'on a élu le thème sur la roue, on a tiré au sort sur la roue le thème donc d'une pour le mois en cours. On va certainement se revoir du coup au début de mars pour maintenant, puisque je vois que le 1er mars tombe un vendredi. Donc vous savez que j'aime faire ces trucs-là le vendredi, donc faut que je regarde si ce n'est pas un jour d'actual play. Si ce n'est pas un jour d'actual play, il est possible qu'on se voit à ce moment-là. Donc, sachant que notre actual play, la prochaine fois, c'est le 9, donc puis le 23. Donc oui, ce serait bien le 1er mars, du coup. Voilà, donc moi, je vous le dis tout de suite, comme ça, vous savez, on part sur une option le 1er mars, donc pour révéler les créations de Dune. Donc voilà, à moduler s'il y avait une maladie, un truc, bah, mais ça c'est hors de ma volonté. Mais donc on serait sur le 1er mars pour révéler donc les créas autour de Dune, car c'est Dune ce mois-ci le thème, et on a donc Dips qui a gagné en tease recueil de nouvelles dans l'univers des ombres testérennes. Mais écoutez, j'espère que cette petite soirée, tous ensemble, vous a bien plu. Moi, je trouve ça hyper cool à chaque fois de pouvoir passer ce petit temps avec vous une fois par mois. Donc, on se retrouve pour un prochain live. En tout cas, si j'en fais pas avant par surprise, vendredi prochain, le 9, pour la suite de Dear Sweet Virginia, notre actuel play qui est un... rural gothique qui est avec les règles de culte, même si voilà, c'est un peu à ma sauce et c'est un peu mes marottes, on va dire. Donc ça, c'est le 9 février, c'est vendredi prochain, mais peut-être que dans les jours où je suis un peu plus dispo, lundi, mercredi, il y aura peut-être un petit live de fin d'après-midi, début de soirée, on va voir. Donc, je vais re-répondre à ceux qui m'ont envoyé des MP rapidement. Donc, pour participer à la jam, comment il faut faire? Eh bien, donc, il faut nous rejoindre donc, sur toutes nos chaînes, enfin, tous mes réseaux, etc. Voilà. Être un membre de la commu, voilà, assez actif. Ce qui génère que moi vous me dites ouais c'est cool, j'ai envie de participer, invite-moi dans le Discord et là vous aurez toutes les infos en fait pour participer. On a un textuel dédié et tout. Donc voilà, par exemple, on voit que Mister Zombie vient d'arriver. Je pense que MRZ c'est lui. Il vient d'arriver dans le Discord. Donc tu vois, dans le Discord, tu as carrément dans la sous-section art, un textuel qui s'appelle Jam DCC, et là ici j'épingle chaque mois la date du rendu, le mail sur lequel on doit envoyer sa participation, le format, etc.
Ah, c'est pas le bon? Alors attends, je vais te le renvoyer. Faut que je. Ok, bah, attends, je vais expulser MRZ dans ce cas-là. Si c'est pas toi. Attends. Bon, je vais faire ça juste après, mais je vais l'expulser, puis je t'enverrai un message privé. Tu es dans. On se parle dans Instagram, nous, je crois. C'est ça notre plateforme favorite. Donc voilà, donc je vais regarder ça avec toi. Je vais pas faire patienter les gens en live, mais je vais regarder ça. Voilà, donc c'était la petite soirée de jam. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, oui. Très, 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 très cool petit moment en votre compagnie. Hop, j'en profite. Bah, je vais refaire un petit tour de coucou. Qui c'est qu'on a en live? Mais on a Lox TV qui est en live. Tiens, si on faisait un petit raid. Merci, Bérec, c'est cool. On va faire un raid, les gars. Moi, je vais vous dire au revoir à tous. C'est hyper sympa d'être venu faire le bisou comme ça. Et pour une fois, j'essaie d'être une twitcheuse bien. C'est-à-dire faire un raid et envoyer les gens quelque part, parce que j'y pense jamais, c'est l'enfer. Et je suis vraiment... voilà, c'est nul, quoi. C'est nul. Allez, je vous envoie chez Lox, qui est une copine avec qui on devrait faire un truc à un moment dans pas très longtemps là. Donc voilà, comme ça c'est cool. Vous allez, on va lui faire un petit coucou. Donc je vous fais de gros bisous. Moi je vous fais des poutous. Je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Et puis on se voit au minimum le 9, si c'est pas avant. Allez, ciao.